te dis, mais nous provenons d'où? Si l'Europe a des cultures judéo-chrétiennes, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde le patrimoine chrétien. Retour au temps où le temps n'existait pas, histoire qu'on se souvienne du vrai nom de la race humaine et du fameux triste. Pas de tissu blanc en soi, tu reconnaîtras ma voix. Tu peux vibrer comme moi. Pourquoi t'es vaudou vie? Nous c'est comme ça qu'on vit. Vaudouisant, pas médisant, malgré tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi t'es vaudou vie? En fait c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici, dis-toi vaudou vie. On est par terre, dans une descente aux enfers. Je demande à mes frères, de quoi serons-nous fiers? Je suis pas le seul qui aime Thieu, mais dites-moi où êtes-vous? Dans tout comme tous mes pères, nos aïeux dans mes prières. J'aime pas trop les cimetières, ils sont vivants dans ma mémoire. On vit presque un cauchemar, aux métropoles de poussière. Je fixais mon miroir, au fond de mes yeux noirs. Au fond de ce trou noir, l'origine de la lumière. Je dis, mais nous provenons d'où? Si l'Europe a des cultures judéo-chrétiennes, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde le patrimoine chrétien. Retour au temps où le temps n'existait pas, histoire qu'on se souvienne du vrai nom de la race humaine et du fameux triste roi. La fin des temps une nouvelle fois. Pas de tissu blanc en soi. Tu reconnaîtras ma voix. Si tu peux vibrer comme moi. Pourquoi t'es vaudou vie? Nous c'est comme ça qu'on vit. Vaudouisant, pas médisant, malgré tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi t'es vaudou vie? En fait c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici, dis-toi vaudou vie. Pourquoi on est par terre, dans une descente aux enfers? Je demande à mes frères, de quoi serons-nous fiers? Je suis pas le seul qui aime Thieu, mais dites-moi où êtes-vous? Dans tout comme tous mes pères, nos aïeux dans mes prières. J'aime pas trop les cimetières, ils sont vivants dans ma mémoire. On vit presque un cauchemar aux métropoles de poussière. Je fixais mon miroir au fond de mes yeux noirs. Au fond de ce trou noir, l'origine de la... Iyamotep, Bekane Fer. Soyez les bienvenus sur les radios Couche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir dans une édition spéciale. Je suis ici sur les plateaux, moi-même, Baba Kinkela Koufoui Motepatou Murashango, et nous avons à côté de nous les Baneb, nouvellement Baneb Jedef Sekemou Raotep. Et aujourd'hui, cette émission est inspirée des mots de Alafia Et, du père Ank M.T. Outi, en relation à une question qui nous est revenue, plutôt une question
à une problématique. Nous sommes en train de... Nous allons aujourd'hui parler de ce qu'on appelle les Antilles. Une histoire commune que nous avons tous appris et que, eh bien, les Antillais seraient les Antillais ou encore les Créoles, ceux qui parlent les Créoles, seraient des fils des descendants d'esclaves, de ceux qui auront été, de ceux qui auraient été vendus. Cette psychologie historique comporte des poids énormes sur le fonctionnement des psychés dans notre époque. En fait, on se sent dénaturé. On se sent affaibli par cette étiquette rusément octroyée de descendants d'esclaves. Il est important que la vérité soit faite sur ces chapitres de l'histoire. Les Antilles deviennent les Antilles seulement par fraude et falsification historique. L'esclavage que nous avons rébâti n'a pas été des dimensions telles qu'il nous a été présenté par la fausse histoire apportée par l'ère coloniale qui se voulait lui devenir maître du monde, prendre la place du créateur. Ainsi s'était-il élancé dans l'ardieuse action d'inverser même l'essence du globe. L'Occident qui n'y était un territoire de sud, du sud. L'ego voulant que le plus fort soit celui qui soit au nord dans une conception pittoresquement occidentale. Eh bien, l'Europe devient le nord par renversement du territoire. Les peuples Zoulous, qui est, quand on dit KwaZulu, ceux qui viennent de la planète Mars, et qui s'étaient installés sur la crête du globe, deviennent des Africains du Sud. C'est-à-dire, Zoulous, qui signifie ciel. Le ciel, sont des Africains du Sud. Eh bien, on inverse les globes, on inverse tout. Le nord devient l'est devient l'ouest. Le nord devient sud. Ça ne s'arrête pas là. On diminue les dimensions de l'Afrique. On agrandit celui de l'Europe, des pays comme l'Allemagne. En fait, l'Allemagne paraît beaucoup plus grande qu'elle est réellement. Nous sommes dans cette dynamique-là et dans cette grande problématique. C'est dans cet ordre des choses que la psychologie ou la philosophie coloniale qui lui descend de la Bible impérialiste, parce que la Bible est un document impérialiste, un document de domination, de falsification et de vol. Et donc, que vol et falsification soient faites. Eh bien, nous venons aussi au livre de notre aîné Pate Dianier, qui signifie Tarana ou l'Amérique précolombienne, un continent africain. Qu'est-ce que je vais dire par là avant de commencer? Que les Antilles, et nous allons les démontrer dans très bref, n'est pas un continent français. On peut parler des terres d'occupation, oui. Tout comme l'Amérique est une terre d'occupation anglaise. Les Antilles sont une terre d'occupation française. Mais nous sommes en train de parler des origines. Quelles sont les origines de cette terre? Quelles sont les origines de ces peuples? Sont-ils des descendants des fils et filles d'esclaves? J'ai dit non, c'est faux et archi faux. Cette vérité, cette insinuation, cette affirmation est fruit de la falsification historique. Les colons, comme je disais, dans la mouvance impérialiste doit s'accaparer tout. Et où il est fait, il est fait grâce à l'épée et à la Bible. Et là où il ne peut pas, il est fait grâce à la falsification. C'est ainsi que les Antillais, dont les ancêtres sont les plus grands navigateurs qui s'étaient installés dans ce territoire bien avant la civilisation des peuples
les Coderbes, vont être pris dans un courant de violence et forcés par manipulation historique à accepter de devenir des fils d'esclaves. Pourquoi? Très simple. Parce que quand l'on accepte l'identité d'avoir été importé d'un endroit d'autre, tu perds les droits de propriété sur cette terre qui revient maintenant à celui qui t'a apporté là. Grâce à une falsification historique, ces terres d'Afrique ont perdu leur authenticité et sont devenues des terres créoles. Je viens ici à signaler que le créole n'est pas un terme applicable au mélanoderme. Parce que les créoles, ce sont justement les immigrés, les expatriés blancs qui ont été envoyés dans ces îles. C'était pour la plupart des personnes violentes, de hors la loi, des criminels qui portent le nom de créoles. Et donc un mélanoderme décent ne peut pas accepter qu'un terme reconnu aux délinquants, aux hors la loi, l'air soit attribué. Aujourd'hui, dans cette petite expression, dans cette petite émission, je vais rapporter les sangs vifs à nos frères des Antilles. Les Antilles est un territoire africain. Et la perte des connexions qui se sent, je sais que beaucoup de nos frères se disent, voilà, je ne suis pas africain, je suis antillais. Mais la fièvre est la même. C'est même quand vous allez en Amérique du Sud, on va vous dire que voilà, nous ne sommes pas des Africains, nous sommes des Latinos. Comment voulez-vous devenir des Latinos si Latinos vient du mot latin? Il faut être grec ou avoir des ancêtres. Les Italiens sont des Latinos parce qu'ils ont des ancêtres grecs, romains grecs. Les Espagnols, les Grecs sont des Latinos. Tous qui ont une descendance latine sont des Latinos. Alors pourquoi on dit ardemment que l'on est Latinos? Et tout simplement, c'est pour éviter de reconnaître que l'on est mélanoderme. C'est tout simplement pour cela. Tout comme beaucoup, quand on va en Amérique du Sud, préfèrent dire qu'ils sont des descendants espagnols pour éviter de dire qu'on est des descendants mélanodermes. Tout comme les Indiens d'Amérique, on dit Indiens d'Amérique. C'est comme s'ils venaient de l'Inde. Encore une fois, on parle des Indiens d'Amérique pour les retrancher, pour les détacher de leur patrimoine génétique mélanoderme. Les Indiens d'Amérique ne sont que des descendants mélanodermes, des mariages entre les mélanodermes et les Euro-Asiens, c'est-à-dire les Asiatiques de la partie septentrionale du continent asiatique. Ce sont ces mariages-là au cours des générations qui ont produit des phénotypes aujourd'hui associés à ce qu'on appelle les Indiens. Ce ne sont pas des Indiens, spécialement quand on parle des Indiens d'Amérique. Alors, qu'est-ce que je vais aujourd'hui dire? Fils de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Trompez, de Tobago, de la Jamaïque, de l'île de la Réunion. Même qui sont venus peupler ces terres, ont porté l'Afrique en eux. Et en s'y installant, ils ont installé l'Afrique. Vous avez été détournés, vos yeux ont été détournés de cette terre et tournés vers la mer avec la falsification historique de l'esclavage. De manière à ce que vous recherchez vos origines lointaines, dans un territoire lointain. C'est la manière la plus efficace pour vous maintenir dans la déception. Vous recherchez des origines, vos origines dans un lointain qui n'existe pas parce que vos origines, votre authenticité se trouve sur place parce que cette terre-là, c'est une extension
de l'Afrique. C'est une extension de Kama. Dans une lecture très prochaine, nous allons essayer de donner forme à cette vérité. Je dis ceci parce que je parle avec beaucoup de personnes qui se sentent perdues, qui pensent qu'il faut rentrer en Afrique. Oui, on peut rentrer en Afrique, mais pas en fuyant l'Occident, pas en fuyant les territoires de nos ancêtres. Douaneche, je passe la parole au Kaneb. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans les îles ont été ont été privées de leur héritage par détournement historique. Absolument. L'impérialisme veut l'accaparation des ressources avec toutes les armes possibles. Et donc, on utilise la ruse, on utilise les mensonges. Et on veut que ces terres accaparées, l'air soit destiné pour toujours. Et c'est ainsi qu'aux Amériques, comme dans les îles, on invente l'histoire de l'esclavage. Parce que malgré tout ça, ils ont un héritage culturel qu'ils ont gardé. L'héritage culturel a été dissous du moment où vous rendez. Si l'on vous dit que vous avez été apporté comme des esclaves enchaînés, combien aurez-vous apporté comme esclave? Rien du tout, ou très peu. Vous vous sentez perdu. Mais quand vous reconsidérez que vous avez émigré là, c'est-à-dire en allant dans l'immigration, on apporte tout ce dont on a besoin. Et nos frères et sœurs de l'île maintenant sont en train de regarder vers l'Afrique. Ils sont en train de rechercher, en regardant l'océan, l'Afrique qu'ils ont sous leurs pieds. Parce que ces territoires-là sont les territoires des Kama. Et nous allons les démontrer avec une brève démonstration des livres de Pate Diagne dont le titre est Tarana ou l'Amérique précolombienne, d'où on démontre avec une démonstration assez profondément victorieuse l'origine de ces terres qui sont aujourd'hui appelés terre, les Antilles. Les Antilles. Tarana est le nom qu'utilisaient avant les conquêtes européennes pour désigner leur continent. Les natifs africains marrons ou nègres marrons restaient outre l'Atlantique en contact avec l'Afrique de leurs origines grâce à une navigation séculaire permanente. C'est en direction de ces populations que Bakary II, Mansa de l'Empire du Mali, devenu maritime au XIIIe siècle après ses conquêtes du Ghana et surtout du Tekrour et du Djolof, maritime sénégambien dirige en 1312 en connaissance de son expédition transatlantique. Et ici, on parle du XIIIe siècle. Ses voyages sans retour est rapporté par Al-Omari à l'occasion du pèlerinage à la Mecque et du passage du Caire de Kankou Moussa, successeur sur le trône du Mali de Bakary II. L'historien arabe témoin à l'époque de l'événement les consignes au en 1324 dans son Masalik al-Absar fi Mamalik al-Masar. Les cartographes signaleront l'événement avec l'Atlas catalan de 1375 et les cartes de Messia de Villades de 1413 qui montrent en effigie les Mansa Bakary II, les chêtres à la main levés en direction de l'outre-Atlantique. Ok. Quand est-ce qu'on parle du commerce transatlantique? Nous sommes en train... Le commerce transatlantique de l'esclavage commence après le XIVe siècle. Là, nous sommes en train de signaler les voyages au XIIe siècle déjà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais ici citer seulement quelques éléments.
J'ai dit ici, les mariniers Yoruba, Ibo, Jokoum, Fon, Aja et Oué du delta du Niger ont, à partir du couloir nord-atlantique, marqué leur territoire, en particulier au nord du continent américain, dans les zones qui couvrent les États-Unis, les Tanada. Les Tanada, hein, qui est devenu les Canada. Quand vous voyez les Canada, nos ancêtres appelaient ça les Tanada. Les Widao, qui est devenu Itao. Les Widano, qui est devenu l'Idao. Les Takuta, qui est devenu les Dakota. Les Minakuta, qui est devenu les Minnesota. Les Awaume, qui est devenu Wyoming. Les Baume, qui est devenu les Bahamas. Et les Oronto, qui est devenu le Toronto. Les mariniers Akan Baoulé de la Volta et de la Bandama, venus de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Togo et du Ghana actuel, ont peuplé les Kumashi, devenus les Comanches, les Kochi, qui est devenu les Kouchis, l'Akraoumé, qui est devenu l'Oklahoma, les Tarahassi, qui est devenu les Talahas de la Floride, et les Tarabashi des Appalaches. Les mariniers Soninke, Ganawa, Ganausta, Tunka, Inka, Malinke, Palenke, Sasum, Sose, Kasume, Joala, Nyamanka Mende, adeptes du Nama, ont donné leur nom au Namata Numide, au Tanama, qui est devenu le Panama, au Turinama Suritam, au Kasam, au Kasu, Makenta, et jusqu'à Kushba, qui est l'Ekiba. Et dernier point, les moules mariniers afro-érausiens Maratana, méditerranéens et Ataranta, ouest-africains, empruntant les mêmes couloirs nord-équatorial, ou bien même avant les Mansa Bakari II, massivement peuplé les îles et les continents comme l'Ebou Menfaritz, dit les Bouddha ou Leptus, Maramaya, Maratana, Maradona, Mauritania, Maragen, Inkaren, Taragen, Touareg, Tagareg, Aztec, Baratana ou Breton. Quand on dit les Bretons, qui va devenir British, ok, l'ancêtre des Bretons et les Baratana, des peuples noirs. Oui, c'est intéressant aussi par rapport au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que dernièrement, quand j'avais été en Côte d'Ivoire, j'avais assisté à un festival culturel et j'avais vu des personnes danser, mais comme les Indiens, ils avaient même les chapeaux avec les plumes. Exactement. Et il y a une région en Côte d'Ivoire qui s'appelle Lakota et il y a un peuple indien d'Amérique qui a exactement le même nom, Lakota. Exactement. Et parce que la vérité est la vérité, on ne peut pas la cacher pour toujours. Mm-hmm. Et la vérité doit retourner. Les mensonges ne peuvent pas durer pour toujours. Et nous avons été couverts de montagnes de mensonges. Si l'on va, il y aura des émissions, nous allons rentrer en profondeur. Au Congo, je dis, il y a une ville qu'on appelle Kinshasa. Il faut savoir, c'est un nom ancien qui est devenu le Kansas. Ok? Parce que l'ancêtre de ce nom est Kinshasa. Kinshasa, qui est devenu, qui a donné à la République démocratique du Congo, Kinshasa, sous les Zaïre, et aux États-Unis, les Kansas, le même peuple. Le même peuple que tu trouves, les peuples originaires de Kinshasa, sont les mêmes peuples que tu trouves au Kansas. L'originaire. Et j'allais continuer, ici j'ai vu. Alors, les courants est loin, je vais prendre quelques expressions. Quand on voit par exemple Takasum Aksum, qui est devenu Texas. Taraka Sansum, qui est devenu Arkansas. Tarasasum, qui est devenu Tennessee. Tarasakum, qui est devenu Alaska. Taracas, qui est devenu Caracas. Tarana, qui est devenu Parana. Taragouni, qui est devenu Patagonie.
Tarigona qui est devenu Arizona. Tamagoni qui est devenu l'Amazonie. Et la liste est longue. À faire tomber debout. Mais aujourd'hui, je vais rentrer, je voulais faire un élément spécialement. Je ne vais pas parler des États-Unis, mais parler de la Guyane. Et je vais rapidement vous lire dans la page 146. Et dans la section A, importance et ancienneté des migrations couchiques. Comme on le verra plus loin, les grandes métropoles historiques et les grandes cités archéologiques sud-continentales qui servent de référence à l'américanisme sont Oussa. Il est ainsi que Ushuaïa, fondée sur les côtes nord du Pérou 2000 ans avant l'ère chrétienne, de Maïkous ou Mouchikous, de Nagakous. Hein, quand on dit les Nazca, le nom original c'est Nagakous, ainsi de suite. On peut illustrer l'importance de la géographie Oussa ou Kouchit à partir de quelques autonomies reconstruites. Waka Prieta vient de Ushuaïas, désignant les gens de Ous ou de Kas. Moïkous vient de Maouskous, Mikous désignant les Mehe, adeptes de Ous et Kous. Waka del Sol ou Washaka, Ushuaïas abrite la plus grande pyramide de toute l'Amérique du Sud. Nazca est une déformation du terme Cascas, Nazcas, métropole de Cas ou de Nazcas, Nakascas. Nakala, Nakaka, Nazca, territoire de Na et de Kas. Cette métropole est célébrée par des céramiques peintes. Tiwanaka vient de Taou Swanakas, territoire Ta de Ous, pays de Na, des gens de Was, de Wa de Kas. Cette métropole a été fondée à 4000 mètres d'altitude près du lac Sili Kaskas ou Tiki est devenu Titicacas. Elle deviendra une métropole de culte Ramakushiki. Je vais encore sauter pour aller un peu plus loin. Et parce que je suis en train de parler de la Guyane. Je vais peut-être pas ici, c'est cette page ici. Je vais aller un peu loin. Ah oui, exactement, je m'y trouve. Tarana devient Parana, indique une population ramakushique, probablement bantou, mainfarite des langues. Je pense que je me suis trompé des pages. Je pense que je dois trouver dans la toponymie des Silas pour retrouver, parce que nous étions en train de parler de l'Amérique du Sud. Et donc, ici, le livre est énorme et je voulais me référer à principalement dans la toponymie où l'on donne la signification de la partie référence à la Guyane. Je l'avais entre les mains. Peut-il m'échapper à un moment donné, mais bien entendu, je suis porté à la retrouver parce qu'on devait, ici, il était question de comprendre l'origine même de ces peuples. Je vais donner la parole au Canet pendant que je suis en train de chercher la page. Donc, avec ces informations-là, on peut voir que tous les peuples donc, qui ont peuplé. Le continent américain, en réalité, sont des Africains qui ont été explorés et qui se sont installés là-bas. C'est ainsi qu'on voit la correspondance entre les cultes, les rituels, et aussi il y a des traces dont notamment Runoko Rashidi a fait beaucoup d'écritures dessus, notamment avec les têtes, je pense que c'est chez les Aztèques.
où il y a des grosses statues, c'est des têtes énormes qui représentent bien le phénotype mélanoderme. Mm-hmm. Donc on se rend compte en réalité que les peuples qui ont gardé la culture traditionnelle des Indiens en réalité sont des cultes qui viennent du continent noir. Ouais, il est important parce qu'aujourd'hui, une des grandes sujets qui maintient les deux communautés séparées, mmh. et c'est lui de, c'est que ceux qui sont devenus les Antillais ont été nourris de cette psychologie selon laquelle ils auraient été vendus. Mmh. Et il y a cette mentalité qui prévoit même aux États-Unis encore, hein, cette mentalité de penser en fait qu'ils ont été vendus. Et cela est un grand mensonge. Mmh. Est un grand mensonge parce qu'ils n'ont pas été vendus, mais nous dirons plutôt qu'ils ont été bernés. Bernés à croire qu'ils étaient des descendants des esclaves. Mmh. Bernés à croire que leur terre, ils ont été portés à laisser, à céder la propriété de leur terre à ces nouveaux venus. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de rétablir cette vérité historique. Cette vérité importante parce que les âmes sont en train de souffrir. Les âmes du peuple sont en train de souffrir à l'idée de se sentir. Je m'imagine se porter sur le dos cette idée selon laquelle, eh bien, on est des descendants des esclaves. On a le patrimoine historique a été perdu parce qu'on a été ramassé comme des gibiers et apporté en Amérique. Cette intention, cette mentalité-là, ou bien cet effet, cet élément-là, a des faits psychologique énorme, des dévastations énormes. Et ces peuples-là ne peuvent être sauvés que si on fait clarté. Ça permet aussi de désunir ceux qui sont restés sur le continent et ceux qui ont immigré. Mm-hmm. Parce que du coup, il y a beaucoup d'histoires comme quoi on aurait participé à vendre nos frères et sœurs pour les envoyer esclaves là-bas. Oui. Et si, ça participe également. L'esclavage, il y a lié, mais il a été de très petites durées. Et elle n'a pas. L'histoire nous fait montrer que ceux qui sont partis en esclavage, l'esclavage n'a pas été une activité qui a fait y avoir des succès. Mm-hmm. De nombreuses personnes mouraient. Et ceux qui arrivaient étaient des survivants, étaient après absorbés dans la communauté normale parce que. Ils partaient de l'Afrique pour arriver en Afrique. Mm-hmm. C'est ça la vérité. Quand ils sont partis de l'Afrique, ils ont quitté dans des communautés des Noirs. Ils ne se sont pas retrouvés dans des communautés des Blancs. Ils se sont retrouvés dans des communautés des Noirs. Ils sont partis de l'Afrique pour arriver en Afrique. C'est ça la vérité des choses. Et ici, on dit, dans la page 66, on peut reconstituer les réseaux des ports d'août Atlantique en relation avec ces réseaux nord-ouest Atlantique. Ils se situent tout naturellement au débouché du nord Atlantique sud et le Pacifique. Mais longeant l'Atlantique Sud et le Pacifique. On reconnaît ces réseaux des responsables portuaires à la toponymie nord-ouest africaine dont ils sont partie intégrante. Baraguacou. Hein? Baraguacou. Port de débarquement du Barak sur l'Atlantique et la côte argentine. Taracatu. La pointe Kakuta de la terre appartient à une autonomie qui est à l'origine des noms des ports et des îles qui sont Maratanakus ou la Martinique, Guadaraba ou la Guadeloupe, Kouchba qui devient Cuba, Tamaricus qui devient la Jamaïque, Tabacus qui devient Tobago. C'est le continent dans les Merewa qui devient le Mexique. On peut citer Tabacus, Tamacus, Tarakilucus,
Waraas, Waxa, appartiennent au même réseau sur les Pacifiques, Gainakus, Lebu, Taraga, Ouskous, Lambayeg, Kalao, Ganakus, Tarabakus, Gayakus, qui font partie de ces terres aujourd'hui, qui portent différents noms. Et ces noms qui ont été donnés, Martinique, Guadeloupe, ainsi de suite, sont venus ensemble avec une corruption historique qui a fait que l'histoire a été remplacée. Et dans la tradition kémétique, Kouchkamit Gomu, nous savons que les mots, l'histoire, tout est transporté par des esprits. Les esprits des Africains ont été remplacés. Les esprits de la nature ont été remplacés par les esprits artificiels. Et c'est ça la cause de la souffrance que nous avons aujourd'hui. Parce que de la même façon, ils ont remplacé les noms pour être déconnectés de l'origine vraiment de ces peuples-là. C'est un peu de la même façon dont maintenant, dans certains pays, on donne des noms comme Jean-Paul, Jacques et tout ça à des Africains qui après viennent dire qu'ils ont des ancêtres gaulois. Absolument. Et absolument. Parce que dans un premier temps, les noms portent les esprits. Mmh. Et quand on te donne des noms, un nom qui n'appartient pas à ton peuple, eh bien tu es déconnecté de l'esprit de ton peuple. Et reconnecté à une autre matrice des esprits. Mais dans cette matrice des esprits, tu es un étranger. Tu ne pourras jamais être réci. Et cette amertume est vécue de manière puissante. Il débouche sur des sentiments, un sentiment d'amertume, des manques d'amour de soi-même. Et c'est ce dont nous faisons expérience aujourd'hui. C'est ce que nous sommes aujourd'hui à essayer de remettre la main dessus pour changer. Pour changer parce que nous sommes devant un peuple qui est en train de souffrir. Une descendance qui est en train de souffrir. Mais ils ne sont pas en train de souffrir d'une vente de la part des siens. Ils sont en train de souffrir d'un mensonge qu'ils ont intégré dans leur vie. Des mensonges qui les consomment chaque jour un centimètre un peu plus. Des mensonges qui a été élevé au point de vérité, au niveau de vérité spirituelle et de vérité historique. C'est un mensonge qui les déconnecte, les peuples, de leur divinité, de leur force spirituelle et les rattache à un monde qui ne vit que de la servitude. Et les mal sentis aujourd'hui partent de cette source-là. C'est pourquoi nous allons lancer des émissions à la lecture des Tarana. Aujourd'hui, j'ai pris quelques pages au bloc et certaines pages que j'ai voulu réellement lire, je n'ai pas pu les retrouver. Mais nous allons y arriver et remettre les choses à leur place. À leur place. Parce que, à mes frères et sœurs des Antilles, le mot m'échappe, il y a une page que j'ai aujourd'hui qui parlait au fait de la signification même de ces mots-là. L'antille, ça signifie quoi? Elle vient de quoi? Et les véritables noms des antilles, des différents noms, je n'ai donné que quelques-uns, mais c'est toute une histoire profonde. Et nous allons y revenir dessus. Nous allons y revenir dessus, sans l'ombre des doutes, pour rentrer en profondeur et remettre les choses à leur place. Parce que nos frères et sœurs des îles doivent se sentir chez eux. Ils ne doivent pas rechercher leur spiritualité en regardant un territoire lointain.
mais ils doivent rechercher leur spiritualité sur les terres sur lesquelles ils sont en train de vivre. Parce que s'il y a quelque chose qui est vrai, ils sont en Afrique. Nos ancêtres se sont allongés dans les montes pour visiter l'Afrique. Et c'est cette Afrique-là qu'ils ont visité. C'est cette Afrique-là qu'ils ont visité. C'est ce monde-là qu'ils ont visité. Et qu'ils ont créé. Ils ont reproduit l'Afrique là où ils sont. C'est dont notre peuple doit se débarrasser. Soit sur Tarana. Ou sur Gaïta. Gaïta signifie les Antilles. Hein, les Antilles est une déformation de ces mots Gaïta. Ceux qui pratiquent les cultes du mana. Ta signifie terre. Gaï signifie ceux qui pratiquent le culte du mana. Doivent redécouvrir leur liberté en se libérant de la falsité sur l'histoire de la descendance des esclaves et en reprenant le rôle de leur propre vie. Voilà aujourd'hui une présentation que nous avons voulu donner tout en espérant qu'il puisse s'introduire en vous et vous éclairer. Nous reviendrons dans les jours à venir avec beaucoup plus de détails. Et nous allons passer en renseigne les titres de ces livres. Et nous allons dire, Douane Tché à Pate Diané pour ce grand travail libérateur. Que nous allons nous efforcer de les exposer pour les rendre hommage et pour nous libérer. Si on veut parler des travaux spirituels, eh bien, ce livre est un des grands documents à retenir comme d'envergure, document à retenir comme un document spirituel, parce qu'il a été écrit pour apporter la vérité. Et tout document qui a été écrit pour mentir, corrompre, ce sont des documents maléfiques. Dans le sens qu'il transporte sur eux les esprits du mal. Merci pour avoir été avec nous dans cette présentation que nous allons, qui porte les titres de l'Afrique ou Kama. Un continent dans d'autres continents. Je passe le mot à la fin au Caneb. Donc les informations apportées aujourd'hui, je pense, vont aider beaucoup de personnes à remettre leur situation sur la bonne voie, dans le sens où une partie de leur être a été déconnectée et la vérité a été tronquée des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit ceux qui ont migré du continent, qui se sont retrouvés dans les Antilles ou en Amérique, ont une rancœur envers ceux qui sont sur le continent à cause de l'histoire qui a été racontée, et inversement, il y a une haine qui s'est immiscée entre les deux et chaque peuple est divisé alors que c'est des membres de la même famille. Donc je pense que les éléments apportés aujourd'hui vont permettre de pouvoir repartir sur cette voie de l'unité. Parce qu'on parle toujours d'unité, mais ne sachant pas qui est qui, ayant l'impression qu'on est tous différents, tous divisés, tous on s'est trahis. Maintenant que les éléments historiques peuvent nous permettre de rétablir la vérité, je pense qu'on doit continuer à avancer sur ce chemin-là, et les éléments qui vont venir par la suite vont nous permettre non seulement de voir les choses plus clairement, mais aussi de s'enraciner dans cette vérité. Douane Tché. Douane Tché à vous, et nous vous remercions pour votre présence ici parmi nous, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, toujours parmi nous et à l'Europe. Aujourd'hui se réclame d'une culture islamique.
L'Afrique est de quelle culture? L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde le patrimoine riche. Retour au temps, le temps n'existait pas. Histoire qu'on se souvienne du vrai nom de la race humaine et du fameux triste roi. La fin des temps, une nouvelle fois. Pas de tissu blanc en soi. Tu reconnaîtras ma voix si tu peux vibrer comme moi. Pourquoi t'es vaudou fille? Nous c'est comme ça qu'on vit. Vaudouisant, pas médisant, malgré tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi t'es vaudou fille? En fait c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici, pourquoi on est par terre dans une descente aux enfers? Je demande à mes frères, de quoi serons-nous fiers? Je suis pas le seul qui aime Tiou, mais dites-moi où êtes-vous? Dans tout comme tous mes pères, nos aïeux dans mes prières. J'aime pas trop les cimetières, ils sont vivants dans ma mémoire. On vit presque un cauchemar aux métropoles de poussière. Je fixais mon miroir au fond de mes yeux noirs, au fond de ce trou noir, l'origine de la lumière. Pourquoi t'es vaudou vie? C'est comme ça qu'on vit. Vaudouisant, pas médisant, malgré tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi t'es vaudou vie? En fait c'est ce que je suis. Et si tu viens d'ici, dis-toi vaudou vie. Et si tu viens d'ici, dis-toi vaudou vie.